1880, 1890. L'histoire du château, elle démarre quand même du manoir qui est à côté. Il y a un joli petit manoir qui date du XVIe siècle. Et donc, les propriétaires du manoir ont construit le château parce que le manoir n'a aucune vue sur la mer. Et des petites ouvertures, comme on faisait autrefois, c'est-à-dire des petites fenêtres. Et là, du coup, comment dirais-je, ben, pour sa femme, le propriétaire a construit le château. C'est bien, hein ? Passion de Monsieur Jacob, le propriétaire. Les plantes à bulbes. À bulbes, ouais. Parce que là, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup, puis là, je vais voir la plante. Ouais. Un peu bulbes. Non ? Là ? Après, c'est poursuivre votre chemin, arriver au petit hangar où je donne à eau et parfois ranger. Et c'est cibler l'azimut 190. On y va ? Bah, on va et après, on prend l'azimut. Ouais, oui. Ouais. Bah, c'est comme une course d'orientation. On utilise une boussole et puis un papier et un crayon pour écrire les réponses dessus. Alors on tourne jusqu'à que le 20 soit sur la flèche. Ensuite, tu vas mettre la flèche rouge sur le nord. C'est marrant parce que dans faut essayer que les autres ne nous trouvent pas. Et de deux, c'est marrant de trouver les indices sur la plage et sur toute la forêt. Enfin, pas les forêts, mais les paysages. C'était marrant, c'était bien. Qu'avez-vous vu comme animaux ? Des crevettes. Des étoiles de mer. Des palourdes. Alors, la marée, c'est l'eau de la mer qui monte et qui descend avec des phénomènes naturels. Dans un drapeau, ne tournez pas. Pour partir, on fait comment ? Là, ceux qui vont couler là, ils vont arriver. Du char à voile, on peut en faire sur la plage de Santec, qui est un peu plus loin d'ici. Et il y en a aussi sur le site de Plounéour. Le char à voile, en gros, il y a deux grosses parties. Donc tout ce qui est partie, ce qu'on appelle gréement avec le mât, la voile, tout ça. Et la partie plus mécanique où c'est le baquet avec les roues. Toute la mécanique quoi, qui nous sert à rouler. Les tout premiers chars à voile, les toutes premières images de chars à voile qu'on a, ce sont les Chinois qui ont mis une voile sur une brouette. Donc ça remonte à très très longtemps, c'est avant Jésus-Christ. Voilà. Après, un peu plus récemment, genre 17e, 18e siècle, il y avait des engins à voile qui étaient un peu des carrosses à voile. Il y a aussi les Hollandais qui avaient des gros chariots sur lesquels ils pouvaient monter à 20, 25 ou 30 soldats sur les plages pour transporter les troupes de soldats hollandais. Et puis après, le char à voile moderne, lui, il est né en 1902 avec des inventeurs qui sont en Belgique et en France. Voilà. Avez-vous aimé le char à voile ? Oui, parce qu'on allait vite et on tire bien sur la corde. Oui, j'ai bien aimé le char à voile. Pourquoi ? Parce que j'ai bien aimé les sensations. D'aller vite, se garer, c'était bien. Un film d'animation, on filme des personnages mais en papier, les personnages. On prend des photos puis on les déplace à chaque fois et après on reprend la photo et... En fait, c'est des camarades qui font les voix. En fait, il y a des camarades qui ont appris leur texte et puis qui font les personnages.